Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le processus de validation de nos designs. Vous avez reçu un mail où on vous invite à suivre le lien afin de procéder à la validation du design. Vous arrivez sur le site où vous avez des informations particulières propres à votre cas. Nous avons des commentaires de la part de nos prothésistes qui peuvent vous aider à la prise de décision à cet endroit-là. Lorsque vous cliquez sur un des fichiers STL, un nouvel écran s'affiche et il charge automatiquement le premier fichier STL. Si vous voulez afficher tous les fichiers STL, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur Load All. On peut voir l'avancement en bas des chargements des fichiers. Une fois le chargement effectué, vous pouvez effectivement tourner votre fichier STL, sélectionner les différents éléments et les afficher ou non. Si vous voulez télécharger des fichiers STL, vous cliquez sur Download. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous pouvez cliquer sur Snapshot. Une fois que vous avez visualisé et pris votre décision, vous pouvez revenir sur Close. Ça vous revient sur la page d'acceptation. Vous pouvez soit rejeter en indiquant ici dans les commentaires la raison du rejet, ou alors accepter en indiquant s'il y a des légères modifications, les modifications apportées ici dans les remarques. Ne pas oublier de, lors d'une approbation, de valider ici et vous pouvez enfin soumettre votre design. Mise à jour réussie, votre design est approuvé.